Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur DigiSchool. Je m'appelle Camille, je suis votre professeur de littérature et dans cette série de vidéos, nous allons nous intéresser à la transposition du personnage du cœur depuis la tragédie de Sophocle vers le film Proie de Pasolini. Dans un premier temps, nous allons nous intéresser aux représentations de la collectivité. Comme vous le savez déjà, le chœur est un élément essentiel de la tragédie grecque. Il s'agit d'un personnage collectif qui s'incarne sur scène par la présence de 15 choreutes, qui va représenter une collectivité, dans notre cas, la collectivité des Thébains. Le chœur est omniprésent sur scène, depuis la parodos, qui est donc son entrée sur scène, jusqu'à l'exodos, c'est-à-dire la fin de la tragédie. Mais ce chœur, comme vous le savez déjà, il n'a pas de fonction dramatique, c'est-à-dire que ses interventions, qu'il s'agisse de ses interventions chantées, ou de ses interactions avec les autres acteurs à travers le choréphè, ces interventions ne vont pas faire avancer l'intrigue. Ça ne va pas avoir une incidence sur l'intrigue. Il y a bien une fonction réflexive des commentaires du cœur, c'est-à-dire que le cœur apporte un simple commentaire euh, sur ce qui vient de se passer sur scène. À partir de ces éléments de définition euh, du cœur dans la tragédie grecque, on peut se demander comment Pasolini va-t-il transposer le personnage du cœur. Dans son adaptation de la tragédie de Sophocle. Évidemment, il ne peut pas garder le cœur tel qu'il était chez Sophocle, il ne peut pas avoir cet ensemble de personnages présents devant la caméra s'il veut bien euh, transposer euh, Ediproix depuis un aspect théâtral vers un aspect cinématographique. Donc, dans notre première vidéo, nous allons nous intéresser aux représentations de la collectivité et de l'individualité comme transposition du personnage du cœur. Dans une deuxième vidéo, nous verrons que les émotions du cœur sont présentes chez d'autres personnages. Et enfin, dans un troisième temps, nous nous intéresserons à la musicalité du cœur. Tout d'abord, le cœur est un personnage collectif chez Sophocle comme chez Pasolini. C'est-à-dire que Pasolini, dans son adaptation de la tragédie de Sophocle, va bien garder cet aspect de la collectivité, cette notion de collectivité. Chez Sophocle, comme vous le savez, le cœur est composé de vieillards tébains. Ces vieillards tébains, ils représentent la population de Thèbes et ils sont des vieillards comme souvent chez Sophocle euh, probablement pour incarner certaines valeurs comme la loyauté ou encore la sagesse. Pasolini va donc garder cette collectivité de Thébains mais il va varier les identités c'est-à-dire que les Thébains ou le peuple en général, puisqu'il y a aussi une existence des Corinthiens dans le film de Pasolini, euh, le peuple va être présent sur scène, donc le cœur va être présent sur scène, mais à travers de multiples identités des enfants, des femmes qui jouent, etc. Deuxième élément, le cœur est omniprésent dans l'espace scénique chez Sophocle. Le cœur est toujours là, je l'ai dit, depuis la parodos jusqu'à l'exodos. Dans l'adaptation que Pasolini fait de la tragédie de Sophocle, il ne peut pas se permettre de garder toujours une foule, une incarnation de la population thébaine ou corinthienne devant la caméra. Il va également faire exister une intimité. Par conséquent, le personnage du cœur chez Pasolini va être une collectivité d'habitants, souvent présente devant la caméra, mais pas tout le temps. Alors, ces scènes de groupe chez Pasolini qui seraient une transposition du personnage du cœur de Sophocle, quelles sont-elles Je vais m'intéresser ici à la partie mythique de Oedipe III de Pasolini et particulièrement à la première partie de cette partie mythique depuis la jeunesse d'Oedipe jusqu'au moment de la peste, jusqu'au début de l'adaptation de Sophocle. Premièrement, on a une scène de groupe lors de l'arrivée de l'enfant à Corinthe. Lorsque le messager emmène le bébé Oedipe. Vers Polybe et Mérope, on a des scènes de groupe, des enfants qui chantent, des danses, une scène de liesse. Autre scène de groupe et représentation de la collectivité lors de l'adieu à Mérope. Oedipe fait ses adieux à sa mère adoptive pour aller consulter l'oracle de la Pythie. Troisième scène de collectivité, justement lors de la consultation de la Pythie. Il y a toute une foule de pèlerins qui vient consulter l'oracle de Delphes. Ensuite, Oedipe part, il ne rentre pas à Corinthe et là il va croiser des villageois, notamment dans une scène euh, une scène de mariage. Il va croiser le cortège des fuyards, tous ces Thébains qui fuient la ville de Thèbes euh, victime du sphinx. Ça, c'est aussi une représentation de la collectivité et ici, particulièrement de la collectivité thébaine. Enfin, il y a également les Thébains qui portent Oedipe en triomphe après sa victoire contre le sphinx, autre représentation de la collectivité thébaine. Et puis, la foule qui entoure Jocaste lors de sa première rencontre avec celui qui deviendra son deuxième époux. Vous savez que le début de la peste dans roi de Pasolini correspond au début de la relecture précise de sa tragédie de Sophocle. C'est-à-dire que Edippe de Pasolini est euh, basé donc entre autres sur euh, la tragédie de Sophocle, mais cette partie du film, la deuxième partie de la partie mythique, depuis la peste jusqu'à la mort de Jocaste et euh, aux yeux crevés d'Oedipe, correspond exactement à la tragédie de Sophocle. À partir de ce moment, euh, la présence de la collectivité va vraiment correspondre à la présence du cœur dans la tragédie de Sophocle. Il est vraiment, la, la collectivité est omniprésente, sauf dans les scènes d'intimité, les scènes tournées dans la chambre que Pasolini va rajouter. Ainsi, on note des présences de la collectivité dans les scènes correspondant à la « parodos », c'est-à-dire euh, l'arrivée du grand prêtre, joué par Pasolini, vous vous rappelez, il est entouré d'enfants, notamment, et de, de Théban, Et à l'Exodos, c'est-à-dire euh, les yeux crevés d'Oedipe. Oedipe part en exil devant la foule des Thébains qui est témoin. La collectivité est également présente lors de la dispute d'Oedipe avec Tirésias, lors de sa dispute avec Créon, son beau-frère, lors de son entretien avec le messager de Corinthe, puis avec le berger qu'il va rencontrer dans la campagne. Et enfin, on a une dernière notion de collectivité, un dernier personnage collectif, euh, rajouté celui-ci par Pasolini, dans le groupe de jeunes femmes, ce groupe de jeunes femmes qui joue avec Jocaste avant que la reine ne réalise l'horreur de, de la prophétie. Pasolini choisit donc d'incarner l'aspect collectif du cœur en représentant des scènes de collectivité, des scènes de foule. Mais ce n'est pas tout, parce que le cœur, bien qu'il soit un personnage collectif, il a une voix qui est individuelle. Cette voix, c'est celle du coryphée. Le coryphée, vous le savez, c'est le chef du cœur. Il peut prendre la parole et interagir avec les autres acteurs lors des épisodes dialogués. Dans le film de Pasolini, on pourrait dire que euh, ce personnage du coryphée, du chef du cœur, de celui qui vocalise les intentions, les pensées du cœur, eh euh, ce serait le personnage du messager joué par Nineto Davoli. Effectivement, vous vous rappelez que ce personnage du messager, c'est lui notamment qui informe Deep des problèmes des Ben, c'est lui qui lui raconte que la ville de Thèbes est menacée par le Sphinx, par exemple. Euh, par ailleurs, on peut noter que le personnage de Nineto Davoli a incarné d'autres messagers dans l'œuvre de Pasolini, on pense notamment à Théorème. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'oubliez pas de regarder les autres vidéos concernant le personnage du cœur chez Pasolini et surtout n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous laisser vos questions en commentaire. A très bientôt sur DigiSchool!